Aujourd'hui, on va parler littérature et langue. On va parler politique et langue. On va parler littérature et politique. Littéralut, troisième épisode, c'est parti! Tomate, Nathalie Quintane, POL. Alors c'est une œuvre bien particulière qu'on a là, Tomate. Et comme toujours, on va commencer par le titre. Tomate ? Bah, tomate, c'est ce qu'il y a de plus commun. C'est ce qu'il y a de plus ordinaire, la tomate. Et c'est ce qui est fascinant dans ce texte. Et ce qu'on sera amené à voir, justement, c'est la manière dont on attaque la politique, le politique, non par l'extraordinaire, par les événements qui sortent de l'ordinaire, ces moments insurrectionnels, ces moments révolutionnaires. Non, le politique est pris dans le contexte le moins visible, le moins perceptible, celui de l'ordinaire, celui de la vie quotidienne. Et ça commence par ce jeu, par cette narratrice. Penchée sur mes plants de tomates, désherbant délicatement tout autour et sectionnant les feuilles basses pour ne garder que la tête, je me suis vu travaillant, se faisant comme à Tarnac, la culture de tomates dans une zone très limitée de mon jardin, en étant l'une des plus visibles figures, un extrait ou un renvoi, car je sais, par expérience, être un cobaye assez bon, réagir de près, de loin, comme tout le monde, dans le milieu numériquement faible auquel j'appartiens. Et à partir de cette scène, la narratrice désherbant, voilà que surgit Tarnac, note de bas de page ou lien hypertexte, ça dépend de votre support. On a la définition de Tarnac, décrite comme une commune française. Puis la narratrice, ou Quintane, parce qu'on est là dans les notes de bas de page, prolonge avec la répression médiatico-policière subie par la communauté autonome de Tarnac. On revient au texte. À ce que la narratrice nomme le milieu numériquement faible auquel elle appartient, celui des écrivains, des poètes, des professeurs. Et là surgit la deuxième référence, c'est Blanqui. On clique et on va voir. On va voir se déployer une petite biographie de Blanqui et la manière dont il a été mis à l'écart depuis le 19e siècle. Mais je ne vais pas en parler tout de suite de Blanqui, je réserve ça pour la prochaine vidéo. Et après, on continue, toujours avec cette narratrice qui va en revenir à la culture de la tomate après des digressions qui ne sont pas vraiment des digressions, on va le voir après. Et elle, issue de cette classe moyenne, on va le dire rapidement, cette classe moyenne intellectuelle, elle va vouloir cultiver de la tomate dans son jardin. Et pour ça, elle voudra acheter des graines chez Cocopelli. Alors, encore une fois, définition, et justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce tissage. Et donc, du coup, Cocopelli, c'est une association française qui distribue des semences libres de droit et reproductibles, issues de l'agriculture biologique. Et donc, le but de cette association, c'est vraiment de préserver la biodiversité semencière et potagère. Et puis, finalement, non. Elle n'achète pas ses graines chez Cocopelli et elle va dans un jardin-land, ménageant ainsi une transition entre une vie sans tomates personnelle et une vie avec des tomates rares. Et ça continue comme ça, par glissement de sens de la culture de la tomate à Tarnac, de certains représentants de son milieu social à Blanqui, de Blanqui au vide politique de cette classe sociale, de la classe moyenne intellectuelle, du groupe tel quel, aux mornes de la classe moyenne intellectuelle aujourd'hui. Et puis on revient à Tarnac, à la culture de la tomate. Et ça glisse comme ça, ça glisse dans une écriture qui, à première vue, et je dis bien à première vue, une écriture qui n'a l'air de rien, une écriture qui tranche avec l'idée que beaucoup se font de la poésie. Ça semble presque être à première vue une écriture banale. Et pourtant, il y a un vrai travail. Non pas seulement pour que ce soit une écriture affective, une écriture qui affecte, qui par sa concision, sa précision, et puis son déploiement. C'est une écriture lâche et qui va comme ça, comme un flux. Pas pour un très peu de points, on se laisse emporter par ce flux. Deux plans qui se conjuguent. Ici, à la fois, ce glissement de sens dont on a parlé, mais également une sorte de tissage, faisant de ce texte un texte au sens étymologique. Texte, textile. La narratrice tisse ici sa poésie avec la politique, avec le politique, avec ces sortes de mots-clés, ces renvois, ces références politiques. On a comme ça des fils entremêlés. Tout ça, la tomate, Tarnac, classe moyenne intellectuelle, Blanqui, Cocopelli, pour former un texte extraordinaire et qui pourtant trace les contours de notre ordinaire à tous et à toutes. Et plus que par ses références à Blanqui, à la répression policière, c'est par son écriture et sa composition que le texte de Quintane est éminemment politique. Et nous sommes en plein dans la poésie, dans son sens le plus fort. Et ça, ça se traduit aussi par un questionnement sur la littérature, la langue, de manière générale. Il est vrai que notre littérature a glissé, non point opté, mais insensiblement glissé, vers une restauration. À tout le moins le rôle d'un conservatoire de la langue, tant le zèle et ses excès ravagent une société par tous les bouts, en la forçant au chagrin commémoratif.
Et quand Quintane ou sa narratrice parle de cette restauration, pour moi ça résonne comme le changement ou le basculement qui s'est opéré dans les années 70 et qui n'a cessé de s'amplifier avec l'apparition au sein des maisons d'édition d'une logique commerciale et de pure rentabilité. André Chiffrin est le fils de Jacques Chiffrin qui fut le fondateur de la Pléiade. André Chiffrin fut lui-même éditeur. Il nous en parle très bien, on va l'écouter. Donc la structure de décision dans les maisons a changé. Dans le temps, c'était l'éditeur lui-même ou les autres qui lisaient les livres, les lecteurs, qui disaient « voilà quelque chose qui vaut le coup de faire ». Maintenant, c'est le commercial qui dit « mais qu'est-ce qu'il a vendu la dernière fois ? Quel est le marché ?» etc., etc. Et comme ça, on peut décider d'une manière négative sur une grande partie des livres intéressants. Et on se souvient, mon éditeur allemand qui est biographe de Kafka, disait que le premier livre de Kafka avait vendu 600 exemplaires, le premier de Brecht 800. Ces livres ne pourraient pas paraître maintenant dans une grande maison. Et de plus en plus, n'est-ce pas, ça a commencé en Amérique, mais ça se voit en France également, on garde des fiches de pertes et de gains, n'est-ce pas, non seulement sur les livres, mais sur le personnel. Donc chaque jeune éditeur qui commence à choisir les livres sait que sa carrière sera décidée par le nombre de livres qui sont gagnants. Et naturellement, ça a un effet de précaution terrible. Mmh. Je parle dans le livre d'une visite que j'ai faite en Chine l'année dernière. Et là, j'ai demandé aux éditeurs comment ils décidaient quels seraient les livres qu'ils allaient faire. Ils m'ont dit c'est très simple, on choisit ceux qui vont le mieux se vendre. Et les gens sont rémunérés par la vente des livres qu'ils ont choisis. Donc ils ont suivi le système capitaliste à outrance. Et c'est pour ça, naturellement, que l'édition est intéressante, parce que c'est toujours un microcosme de ce qui se passe dans la société en général. Et en France, en Chine, en Amérique, on a vu le même changement. Et justement, cette logique commerciale, elle va non seulement affecter les maisons qui vont être rachetées, notamment le groupe Hachette, mais elle va aussi affecter, toute une structure, toute une économie du livre. Et ça, c'est comme quand TF1 avait été privatisée et qu'elle a commencé à faire sa télépoubelle. Forcément, c'est tout le marché, tout le système audiovisuel qui s'est adapté. Et là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que déjà, dès qu'une seule maison d'édition a été affectée, c'est toutes les autres qui vont essayer justement, non pas de suivre la même logique, mais de s'adapter. Et cette logique commerciale, elle va aller de pair avec un autre système. C'est le système spectaculaire de la télévision, mené à l'époque par Bernard Pivot. Alors bien évidemment, l'histoire du livre ou de la littérature à la télé ne commence pas avec Pivot. Mais apostrophe, son émission de l'époque, elle marque un véritable basculement. Et ce basculement, on vit encore aujourd'hui dedans. Que ce soit... Et à ce sujet, je vous renvoie au livre d'Olivier Besser-Banqui, L'industrie des lettres, qui raconte très bien ça. Et cette spectacularisation de la promotion littéraire, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. On peut la résumer par cette réflexion énoncée par un producteur de France Culture qui dit grosso modo préférer faire une bonne émission avec un mauvais expert plutôt qu'une mauvaise émission avec un bon expert. C'est logique d'abord commerciale, on peut le dire néolibérale, aux logiques spectaculaires qu'on a vu donc avec Bernard Pivot, va se superposer une troisième, celle qu'appelle Laurent Coé, responsable de la cellule éditoriale d'Aldante, excellente maison d'édition au demeurant, dont on aura l'occasion de parler. Ce qu'appelle Laurent Coé la domestication de l'art. Et cette domestication de l'art, elle s'opère pour Coé à travers quelques points. D'abord par la mise au pas de la critique. Deux, la séparation radicale entre les lieux de création et les lieux de la critique sociale et politique. Et trois, une distinction. Et là, il faut entendre le mot dans sa polysémie. Se distinguer. Distinguer les classes populaires entre elles, avec d'un côté les habitants des cités, des quartiers populaires, et de l'autre, la classe intermédiaire, la fameuse classe moyenne. Et cette distinction, elle s'opère de fait par les médias, parce que les classes moyennes et les classes intermédiaires, de par leurs conditions de vie acceptables, elles sont enclines à acquiescer au discours médiatique. Et puis enfin, Laurent Coé parle de l'usage de la culture comme instrument de contrôle, que ce soit à l'étranger, avec des instances comme l'Institut français, ou l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Je ne vais pas m'arrêter en détail sur tous ces points, je vous renvoie justement à la domestication de l'art. Mais moi, je me concentrerai sur cette fameuse culture au sein des quartiers populaires et qui est symétrique à la violence policière qu'on a évoquée lors de la dernière vidéo. Et ces deux violences symétriques, Laurent Coé les résume à merveille. Là où le policier menace, l'artiste amadoue. L'un force l'illégitime en affirmant « vous bougez, on vous écrase, de toute façon vous n'avez aucun droit ». L'autre force l'apparence d'une légitimité en jouant l'antienne du bien vivre ensemble, en prétendant « pourquoi vous révolter ? Il suffit de peu pour que vous puissiez avoir tout ce que nous avons, même notre art. » Au bout du compte, l'un et l'autre
œuvrent pour la même chose, éviter que la victime d'hier légitime sa colère, se redresse et devienne l'insurgé de demain, n'exige soudain des comptes sur ce qu'on lui doit. Et tout ça, ça devient palpable lorsqu'en 2014, le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis expose la création d'un artiste sud-africain, Brett Bailey. L'œuvre s'appelait Exhibit B. Concernant une analyse de cette œuvre, je vous renvoie dans la description à l'article de Laurent Coé, justement. Alors, l'installation de cette création a suscité plusieurs interrogations au sein de la population de Saint-Denis. Et donc, tous et toutes sont allés, enfin, la majorité, enfin, beaucoup, sont allés manifester contre la représentation. Et voici comment on leur a répondu. Et donc, je vous parlerai pas plus de la domestication de l'art. Je vous renvoie justement au livre, et là, on va revenir vers Quintane, dont le travail, ça va être justement d'aller à rebours de cette domestication de l'art, d'aller à rebours de cette littérature de la conservation, conservatrice. Et ça, ça sera par l'écriture, justement, c'est ce tissage qu'on a évoqué plus haut, entre politique et poésie, un travail qui représente une sorte de basculement dans son parcours même d'écrivaine. Et on va l'écouter, Nathalie Quintane. Ce que j'espère, c'est que, si vous voulez, les 20 ou 30 ans qui viennent de se passer, qui sont vraiment marqués par l'hégémonie du roman, et d'un roman pas toujours, mais souvent assez classique quand même, hein, c'est pour ça que je parle aussi de restauration dans la littérature, que cette hégémonie qui a un peu nettoyé, enfin rincé l'idée de littérature qu'on avait encore à la... On va dire, sans être nostalgique, mais par exemple avec les textes courts que Duras ou Beckett faisaient paraître chez Minuit dans les années 70 encore, l'idée de littérature, elle était encore liée à ça aussi, hein, ce truc d'un texte même court, mais qui a un impact, qui a où il y a une attente. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comment dire, une reconception de la littérature ou de remettre ce mot-là sans qu'il soit tout le temps réduit au roman. C'est-à-dire, quand on dit critique littéraire, en réalité, c'est souvent critique de roman. Donc, c'est cette idée-là que là, il pourrait y avoir un moment de bascule ou de léger changement où une autre idée de la littérature pourrait, non pas prendre la place, rassurez-vous, jamais, ça ne reprendra toute la place qu'a prise le roman, mais... être enfin visible, qu'on sache que ça existe, que voilà, que les lecteurs qui sont intéressés soient informés. C'est juste ça. Sache qu'il y a, et c'est pas le seul livre, évidemment, il y a d'autres livres très intéressants qui fouillent et qui cherchent dans ce sens-là. C'est juste dire, il y a autre chose est possible. C'est presque ça. Hein. Bon. Il y a eu un moment, il y a 2 ou 3 ans, où j'ai commencé à m'intéresser tout court. Je ne peux même pas dire m'intéresser à nouveau, mais de près à des textes que je connaissais absolument pas, grâce à cette maison d'édition. Et c'est d'ailleurs, je viens tout petit peu élargir, c'est que ça correspond aussi à il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus maintenant, au moment où je me suis remise au travail, on va dire, sur des textes de ce type-là, grâce à tout un ensemble d'éditeurs, dont La Fabrique, qui existe depuis bien plus longtemps, mais bon, mais aussi Les Prairies Ordinaires. Il y a tout un champ comme ça, éditorial, qui est en train de prendre une place très importante. Et j'avais jamais lu ce type de texte avant, ou vraiment très peu comme ça. Alors, en pensant à La Fabrique, aux Prairies Ordinaires, à Amsterdam, à un éditeur comme Question Théorique, qui est un jeune éditeur qui s'occupe...
qui s'occupe à la fois de ça, de faire passer des textes politiques, esthétiques, philosophiques, traduits de l'américain, qui sont importants, qui s'occupe aussi de littérature, avec tout ce champ éditorial-là, c'est comme si ça m'avait poussé, vraiment donné un coup dans le dos pour me dire, Et ça peut pas, le fait d'écrire de la littérature, ça peut pas être coupé de tout l'ensemble de la réflexion du temps, quoi, et de la réflexion vivante, là. Et donc, voilà, j'ai remercié Eric parce que Eric Hazan et La Fabrique parce que c'était. Il y a beaucoup de remerciements, hein, donc c'était, il fallait absolument que ça apparaisse. Mais j'aurais pu aussi remercier plus indirectement Les Chaque auteur. Prairies, chaque maison d'édition qui m'a poussé depuis quelques années à essayer d'aller un peu plus loin. Ouais. Et quand Et vous à cette liste d'éditeurs militants, on va dire, j'ajouterai le nom de Libertalia. Donc, par Tomate, mais également par ces textes qui vont suivre, il y aura chez Quintane cette volonté d'écrire, et là je reprends sa formule, des textes directs qui arment direct. Et comment écrire ce type de texte? C'est bien autour de cette question que va tourner Quintane dans Tomate. Et on le sait bien, la langue révolutionnaire du 17e ou du 19e ou encore du 20e ne peut être la langue révolutionnaire du 21e. Et ça résonne pour moi avec le premier Roland Barthes, celui du degré zéro de l'écriture, où il explorait justement ces questions, ce lien entre langue et révolution, notamment avec ce début où il évoquait le père Duchesne, ce début que Robe Grier récitait par cœur. Mais je vais m'arrêter sur un autre extrait du degré zéro de l'écriture. C'est la singularité des situations historiques qui a formé l'identité de l'écriture révolutionnaire. La révolution fut par excellence l'une de ces grandes circonstances où la vérité, par le sang qu'elle coûte, devient si lourde qu'elle requiert, pour s'exprimer, les forces même de l'amplification théâtrale. L'écriture révolutionnaire fut ce geste emphatique qui pouvait seul continuer l'échafaud quotidien. Ce qui paraît aujourd'hui de l'enflure n'était alors que la taille de la réalité. Cette écriture, qui a tous les signes de l'inflation, fut une écriture exacte. Jamais langage ne fut plus invraisemblable et moins imposteur. Et c'est bien pour cette raison qu'une œuvre réellement subversive doit d'abord et avant tout l'être dans et par la langue, dans et par sa manière. Il ne suffit pas, pour faire un roman politique, de parler de la commune, de parler des gilets jaunes ou de la révolte des banlieues. Non, pour que un livre soit politique, il faut la forme et le fond. Et ici, on touche du doigt quelque chose d'assez important. En philosophie, avec Spinoza, on a réfléchi à cette question, celle du corps et de l'esprit. Quand Spinoza énonce, personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. Et Flaubert, grand lecteur de Spinoza, a eu cette phrase. Pour moi, tant qu'on ne m'aura pas d'une phrase donnée, séparer la forme du fond. Je soutiendrai que ce sont là deux mots vides de sens. Et les livres de Quintane sont éminemment politiques, justement pour ça, par rapport à ce tissage, par rapport à cette langue, parce qu'ils sont politiques dans leur langue même. Et quoi de mieux, pour terminer, qu'une illustration de cette portée éminemment politique des livres de Quintane? On va terminer avec un extrait. On vote pour élire des élus qui votent des lois. Les lois doivent être respectées. On respecte les lois votées par les élus pour lesquels on a voté. On ne doit pas entrer avec un couteau dans un établissement scolaire. Les portiques détecteurs de métaux détectent les couteaux. On installe des portiques détecteurs de métaux à l'entrée des établissements scolaires. Il vaut mieux avoir le bac pour entrer sur le marché du travail. Le bac d'aujourd'hui ne vaut plus rien. Ceux qui ont le bac ne valent rien sur le marché du travail. Les fils d'ouvriers n'accèdent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles. On ferme les usines, il n'y a plus d'ouvriers et donc plus de fils d'ouvriers. Les classes préparatoires ne sont pas fermées aux fils d'ouvriers. Des anarchistes ont écrit des livres. Des anarchistes ont lancé des bombes. Il y a parmi ceux qui écrivent des livres des gens qui lancent ou lanceront des bombes. Des musulmans obligent des jeunes filles à porter le voile. Les jeunes filles doivent être libres de ne pas porter le voile. On vote une loi qui oblige les jeunes filles à ne pas porter le voile. La nourriture qui ne fait pas grossir est chère. Il y a des pauvres. Les pauvres sont gros. La littérature n'est pas accessible au grand public. Le grand public veut faire la fête.
La littérature, c'est la fête.